sont peut-être les réalités de ce monde qui font que soyons des fois affaiblis dans la foi. Vielleicht sind das Dinge dieser Welt, die uns abschwächen. Sont les choses qui arrivent. Sind Dinge, die geschehen. Pour nous affermir. Um uns zu festigen. Alléluia. Amen. Je vais passer visiter une famille dimanche passé. Ich habe letzten Sonntag eine Familie besucht. Ils m'ont dit dans leurs problèmes dans la famille, dans le couple. In das Problem des Paares. Ils se sont plus approchés de Dieu. Die haben sich Gott genähert. Si tu as un problème, bien aimé. Wenn du ein Problem hast. C'est parce que Dieu veut que tu t'approches encore de lui. Ist damit du dich Gott näherst. Ils vont prier pour ceux qui sont fatigués. Wir werden für die erschöpft sind. Tantôt wenn l'église est pleine. Die kommen in die Kirche. Tantôt il y a presque pas de gens. Die Kirche voll und manchmal ist es halb leer. Schon, on peut faire une crise cardiaque. Das kann man Tant que berger. Als Hirte kann ich einen Herzstillstand erreichen. Mais c'est Dieu qui envoie le brebis. Aber Gott ist unser Hirte. Mais. Aber. Le diable. Der Teufel. En empêche. Hält es auf. Peut-être qu'il y a un esprit dans l'église qui fait que les gens font l'église. En vrai dire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quel est le problème qu'il y a? Même si il y a un problème, partout où les gens vivent, il y a des problèmes. Tu n'iras nulle part où il n'y a pas de problème. Même au cimetière, il y a des problèmes. Parce qu'il y a des fourmis qui mangent les cadavres. Auch die Kleintiere essen Leichen. Partout il y a un problème. Überall gibt es Probleme. Mais il faut savoir vivre avec les problèmes. Aber wir müssen lernen zu leben damit. So, prie pour l'église. Wir werden für die Gemeinde beten. Tu vas dire ce que Dieu te mettra à cœur. Du wirst das aussprechen, was Gott dir zu Herzen legt. Tu vas demander la grâce de la vie de ceux qui sont fatigués. Du wirst die Gnade Gottes über die Leute beten, die erschöpft sind. Je veux que tout le monde prie. Ich möchte, dass jeder betet. Dis à Dieu quelque chose. Sag etwas zu Gott. Pour cette église. Für die Gemeinde. Pour le membre qui tantôt ils viennent, tantôt ils viennent pas. Für die Mitglieder, die ab und an mal da sind. Pour ceux-là aussi qui sont restés à la maison sans cause, sans que ce soit apparent. Für die, die ohne ersichtlichen Grund zu Hause bleiben. Dieu veut entendre ta prière. Gott möchte dein Gebet hören. Prie. Bete. Pourquoi t'as commencé à prier? Öffne deinen Mund und bete. Seigneur, écoute la prière de mon frère et de ma soeur. Je te bénis, je t'écris, tu écoutes la prière. Et les hommes viendront vers toi. Nous avons de la parole de prière et tu m'as donné de prier. Et on chasse tout ce qui n'est pas de notre église. Et ils vont prier avec les meilleurs de toi. Et la parole de là. Alléluia. Alléluia. Yahweh n'a pas fait la Yesu. Aïe, mon bébé, ça. Alles, was ich habe, ist für dich. Mais, aber, quand tu grandiras, wenn du aufwächst,
Quand tu vas devenir responsable, je veux de cet argent. Pourquoi? Parce qu'il savait que si l'enfant est encore un enfant, on ne peut pas lui donner des responsabilités. Il faut devenir fils. Il faut prendre conscience. Quand je donne 1 million, n'est-ce pas, à Irlande, il va manger des chocolats et des bonbons. Il va devenir encore plus riche. Mais quand je donne 1 million à papa Freddy, il aura un projet. Quand je fais 1 million, d'abord j'ai passé l'église, une maison pour l'église de Dieu. Comme dit une soeur dans l'église. Wie eine Schwester in der Gemeinde sagt, Papa, ich bete zu Gott, wenn Gott mich segnet, wenn er mir 1 Million gibt, werde ich eine Kirche für uns selbst kaufen. Ich sage, gelobt sei der Herr. Aber sei nicht wie Agnes und Safira. Sans argent, plein de projets. Ohne Geld, viele Projekte. Et nous vendrons tout ce que nous avons pour le Seigneur. Wir werden alles geben für den Herrn. On n'a pas demandé. Man hat sie nicht gefragt. Non, tout ce qu'on a, on va vendre Pierre, on va donner l'église. Après, ils ont Nachdem sie verkauft haben, ils ont vu maintenant la valeur qu'ils avaient. Haben sie den Wert davon gesehen. Bon, so viel Geld. Ah! Non, chérie, on donne la moitié. Wir werden die Hälfte geben. La moitié, on cache. Die andere Hälfte behalten. On va les manger après. Das werden wir später ausgeben. Mais la moitié, ils ont caché. Aber die Hälfte, die sie versteckt haben. Personne n'a retrouvé. Hat niemand wiedergefunden. Là où ils l'ont enterré, wo sie es begraben haben, hat es niemand wiedergefunden. Donc, ce que tu es pour le Seigneur, was du für den Herrn sagst, si c'est un bien, wenn es was Gutes si ist, pas toi, wenn nicht du, les enfants vont bénéficier. Werden deine Kinder davon profitieren. Alléluia. Amen. Ils ont caché ce qu'ils avaient pour Dieu. Sie haben das versteckt, was sie dort haben. Croyant qu'ils vont les manger après. Weil sie dachten, es ausgeben zu können. L'homme est mort. Der Mann verstarb. La femme est venue. Die Frau kam. A demandé à la femme. Und man hat die Frau gefragt. Mais qu'est-ce que vous avez dit à tromper l'Esprit de Dieu? Wer hat euch gesagt, dass ihr den Heiligen Geist betrügen sollt? Sagen wir uns die Wahrheit. Gott, wir haben nicht gelogen. Les gens qu'on a vendu, c'est ce qu'on a amené. Das, was wir verkauft haben, haben wir euch gegeben. On leur dit une parole. Man hat ein Wort gesagt. Voici les gens qui ont amené ton mari. Sieh die Leute, die deinen Mann gebracht haben. Ils vont t'amener aussi. Die werden dich auch holen. Aussitôt, elle est tombée, elle est morte. Und darauf ist sie gefallen und verstorben. Nous devons devenir des fils. Wir müssen Söhne werden. Des gens matures. Erwachsene Leute. C'est supportant entre nous. Wir müssen uns gegenseitig aufhalten. Quand on dit que moi je ne vais pas l'église parce que Paul Freddy a parlé mal de moi. Wenn du sagst, ich komme nicht in die Gemeinde, weil Paul Freddy schlecht über mich gesprochen hat. Si tout le monde va l'église ainsi, personne ne va dans l'église. Würde jeder das machen, würde niemand in die Gemeinde kommen. Amen. Amen. Même moi, je ne vais pas l'église. Selbst er, der Predigt. Mais si moi je vais dans l'église. Aber wenn ich komme, je sais pourquoi je vais à l'église. Weiß ich, warum ich komme. Lutte le Seigneur. Wenn ich für den Herrn. Moi, je serai mort. Wenn ich verstorben. Comment j'ai grandi? Tu sais comment j'ai grandi? J'ai grandi difficilement. Ich bin schwierig aufgewachsen. J'ai pas que mes parents étaient pauvres, non. Pas être pauvre. Nicht, dass meine Eltern arm waren. Modeste. J'étais malade. Ich war oft krank. Je me suis brûlé à l'âge de 2 ans. Tous les jambes, toutes les jambes et les bras. Ich bin mein Arm und mein Bein haben sich verbrannt. Je souffrais, j'étais asthmatique, moi, je me prenais tout le monde. J'ai grandi miraculeusement. Ich bin Wunder, es ist wie ein Wunder, dass ich aufgewachsen bin. Mais si je suis en bonne santé. Aber wenn es mir gut geht, fange ich sogar an zu singen. Ein asthmatique, muss ein asthmatique. Jemand, der Asthma hatte. Je chante pour le Seigneur. Ich singe für den Herrn. C'est une grâce. Seine Gnade. Alléluia. Moi, je vais à l'église de Dieu. Deshalb komme ich in die Gemeinde Gottes. Et comme le pasteur Georges. Wie der Pastor Georges sagt. Même si personne ne vient dans l'église. Selbst wenn niemand in die Gemeinde kommt. Moi, je viendrai seul. Ich komme allein. Amen. Amen. Et je vous faites une expérience, ne venez pas. Macht man die Erfahrung und kommt nicht. Venez demander des voisins. Fragt den Nachbarn. Bon, quelqu'un était là, il était court, il t'avait des lignettes, c'est moi. Prophétise pas, prophétise moi. Er wird euch sagen, dass ich es gewesen bin. Genau. Mais, aujourd'hui, on parle de l'ignorance parce que les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Die Kinder Gottes verstehen nicht, was passiert. Hier au travail, pendant le repos, gestern während der Pause, je suis en train de partager avec un frère, un collègue au travail. Habe ich mit einem Arbeitskollegen gesprochen. Il me, on me parle le signe du temps de la fin. Und er sprach über die Zeichen der Ende. C'était un Allemand. Zwei. Et puis il est Kellner.
Vous savez, les Kellner, ils gagnent l'argent chaque jour, sur le journalier. Kellner verdient jeden Tag Geld. Ok? Ce n'est pas comme nous sommes on travaille pour les salariés. Non, eux sont les journaliers. Donc à la fin de la journée, à compter un bon monnaie. Un Kellner verdient jeden Tag Geld. Am Ende des Tages kann sein Geld zählen. Et à Sylt. Und auf Sylt. En été. Im Sommer. Un Kellner peut avoir jusqu'à 6000 euros par mois. Kann ein Kellner bis zu 6000 Euro im Monat verdienen. Trinkgeld. Pas les salaires, Trinkgeld. Nicht sein Gehalt, sondern alleine das Trinkgeld. 6000 Euro. 6000 Euro. C'est ce qui est 5 fois salaire. Das ist vielleicht 5 mal mein Gehalt. Il l'a dans un mois. Und jetzt in einem Monat. Il a aussi un salaire. Plus sein eigentliches Gehalt. Donc il peut avoir netto 7000 Euro im Monat. 7000 Euro. 7000. Ce n'est pas un ingénieur. Hein? Es ist kein Ingenieur. Ce n'est pas un médecin. Oder Arzt. Kellner. Si vous voulez quoi, monsieur? Monsieur, okay. Yeah. Si tu vas bien, maman des enfants. Oh, ok, ça va me faire gentil. Il va, il te donne le jus. Laissez-moi le fait de parler avec la personne, c'est parce que tu es bon cœur. Amélie 10 euros, après c'est sur 20 euros, après c'est mis en cours. T'as la coppe. Nur weil du so nett bist als Kellner, würde dir anstatt 10 Euro noch 20 Euro Trinkgeld geben. Mais c'est chez toi? C'est souci de la vie éternelle. Aber er hat sich Sorgen gemacht um das ewige Leben. Il a aussi 24 ans. Er ist auch noch 24 Jahre alt. Jeune. Jung. Jeune homme riche. Reicher Junge. Il est jeune. Il a ses moyens. Er hat seine Mittel. Er gab mir 10 Euro. Er hat mir einfach 10 geschenkt. Ah, mon bon Lima. Kostenloses Geld. Il en a. Mais c'est souci du royaume de Dieu. Er hat die Möglichkeit und trotzdem überlegt er sich, wie er das ewige Leben erreicht. Mais nous, aber wir, dann, on a rien. Vielleicht haben wir gar nichts. Mais on veut pas aller vers le Seigneur. Aber wir wollen nicht zum Herrn. Mais j'ai moyen. Et la même question que papa Roger m'a posée à l'époque. On a fait toutes les mêmes questions que papa Roger m'a posée à l'époque. Vous savez, il faut que les choses de Dieu nous fassent peur. Les choses de Dieu nous font peur. Si vous avez peur de la parole de Dieu, quand vous avez peur de la parole de Dieu, vous êtes proche du salut. Vous êtes näher à l'évêque. Amen. Amen. Celui qui n'a pas peur de la parole de Dieu, qui n'a pas peur de la parole de Dieu, c'est encore un, c'est encore un être animal. Dann ist noch ein Tier. On a trois sortes d'êtres. Il y a, nous avons un être spirituel, être charnel, et angomotoniama. On presse la peur, le péché, il n'a pas peur. Man spricht über die Sünde und er hat keine Angst. Donc quand on prend le péché, on ne voit pas moi. Wenn du über die Sünde sprichst, et peut-être que comme il a mon goût, ma soeur. Und dann morgen musst du versuchen, diese Sünden zu vermeiden. Et le pasteur Georges, il a prié sur l'enfer. Er hat über die Hölle gesprochen. Le pasteur Georges. Pastor George. Et il a dit, ah, tu me seras vraiment. Und dann kam Papa Matata und gesagt, sowas gibt's wirklich? Papa dit, depuis ce jour-là. Seit dem Tag. Il a commencé à prendre le chemin de Dieu. Oh, c'est parce qu'il a suivi, il y a l'enfer. Hat er die Dinge Gottes ernst genommen, weil es die Hölle möglich gibt. Mais si un enfant de Dieu. Aber wenn ein Kind Gottes. On dit pas le jour du salut. Wenn man nicht über das ewige Leben. Le fin du temps. Am Ende des Ça ne te fait ni son ni. Il n'y a keine Veränderung. Pose-toi la question. Stell dir die Frage. Où est-ce que tu es? Wo bist du? Où es-tu? Où bist-tu? Et ce jeune homme m'a posé des questions, il a dit, j'ai lu Offenbarung. Und der junge Mann hat mir gesagt, ich habe die Offenbarung gelesen. J'ai dit, wow. Sagte, wow. Un jeune de 24 ans. Ein junger Mann, der 24 Jahre, der gut Geld verdient. La révélation, l'apocalypse. Aber der die Offenbarung liest. Et quand il dit, comme tu es pasteur, il vient chez moi. Und wenn er gelesen hat, kommt zu mir, weil ich Pastor bin. Il me dit, Joe. Und sagt mir, Joe. Et là, c'est que je lis. Hör dir an, was ich gelesen habe. Ist die Zeit schon gekommen? Ich habe keine Ruhe, ich kann nicht schlafen. Je me dis, si que tu me dis, il y a un enfant de l'église, un frère qui vient me poser la même question. Und ich sagte ihm, es gibt jemanden in meiner Gemeinde, der mir dieselbe Frage gestellt hat. Papa Roger avait peur le jour de parler des six jours de Dieu. Papa Roger hat Angst, dass ich die sechs Tage der Kreation anspreche. Le jour où on a parlé avec lui sur Matthieu 5, verset 28. Als ich mit ihm über Matthäus 5, vers 28 gesprochen habe. La Bible dit, c'est une femme pour la convoiter, de combien de temps avec elle. C'est là une femme pour la convoiter. Wenn du eine Frau hast, um sie zu überzeugen. C'est l'adultère. Das ist Ehebruch. Ah! Je ne l'ai pas touché! Ich,
Mais c'est comme ça que Dieu nous enlève ses yeux. Mais pas Timothée a dit. C'est aussi moi aussi appris. Dieu a changé la façon de voir, de regarder les femmes. Si un pasteur m'a dit au Bénin, il a cru qu'après le mariage, ses yeux. Nach der Eheschließung werden sich seine Augen verschließen. Après le mariage, aber nach der Ehe il voit les gens. Sieht er die Menschen. Oh, mais ça, c'est le pasteur. Er hat sie doch weiter gesehen. Ça, c'est papa. Je vois toujours. Ich sehe doch immer noch. C'est la chef de chorale. Das ist doch die Schwester aus dem Orchester. Oh, quel mollet. Il m'a dit, c'est que les yeux physiques ne se fermeront pas. Il faut fermer ses yeux spirituels. Il ne faut voir que sa femme. Je veux voir que l'espérance par Dieu passe. Je veux voir que l'espérance. Le Bako va. Il veut l'espérance, il veut aller voir. Le Bako va passer. Le Bako va passer. Parfait, il veut voir que maman Mike. Même s'il fait 6 mois en Afrique. Dass man ein halbes Jahr in Afrika ist. Weil die Leute sagen, wenn wir nur Mike. Egal was die Leute sagen, wenn wir nur Mike. Mal in der Welt in Afrika, ich wollte Papa Matata. Die Leute wissen auch nur Papa Matata. Aber die physischen Augen sehen. Papa Masamba, der Kusma, wir waren hier, ich habe gerade den Tod. Papa Masamba, heute sitzt dein Angst richtig gut. Alors voilà, il faut que les enfants de Dieu arrivent à ce niveau-là. Et si on passe le niveau de l'aimé, nos églises seront pleines et il n'y aura pas de chrétiens qui vont, qui comme les voitures qui chassent avec les carburateurs qui vont, qui hésitent. Non, il y a des chrétiens hésitants. Wenn unsere Gemeinde das einsieht, würden wir auch überzeugt damit sein, was wir hören und nicht immer dran zweifeln. Vous le savez, non? À qui chassent les voitures avec les carburateurs? Donc vous demandez quand il faut prendre des licences, des licences et puis tu veux les clés de la terre. Et puis tu prends aussi les clés 14, tu peux frapper ta 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 ta. Sinon ça va faire prout 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 prout. Il y a des chrétiens pareils, dans l'église encore. Va prendre parler de l'ignorance. Il y a beaucoup de chrétiens qui ignorent que Jésus-Christ va revenir. Mais ce jeune homme, ce jeune Allemand, il ignore au travail, il me dit, c'est de ce que vous avez proposé, la conversion de lui, quel est l'élément qui est là? Jemand, der anfängt, sich zu bekehren, das ist sowas Wunderbares. Viens. Komm her. J'ai regardé hier à la télé, une émission m'a montré quelque chose et on dit que cette chose-là, personne ne l'a fait. C'est qu'il y a une même bien côté, mais une même vidéo qu'il avait faite. Ich habe was im Fernsehen gesehen, die gesagt haben, das, was geschehen ist, wurde noch nie, ist noch nie passiert. Das heißt, dass eine unsichtbare Hand es getan hat. Sa copine était à côté de lui. Seine Freundin stand neben ihm. Et il essayait de mettre une main sur l'épaule et sur lui. Sie versuchte sich auf ihn zu stützen. Alors, on va caler. Or, les gars, son cœur brûlait. Il a peur. Il sait qu'il a vu. Das, was er sah, c'est une main invisible qu'il a fait. C'est une unsichtbare Hand, il m'a dit même chose. Quelle est cette main visible? Alléluia. Je dis, c'est la main de Dieu. Il dit, je ne suis plus calme. Il sagt, je bin nicht mehr in Ruhe. Je veux connaître plus Dieu. Ich möchte Gott näher kennenlernen. J'ai dit oui. Sagt, ja. Mais tu es frappé par Romains chapitre 7. Aber du bist von Römer Kapitel 7. Tu es jeune. Du bist jung. La chair te réclame. Die Jugend ruft dich. La chair te dit non, il faut faire la vie. Dein Körper sagt, du musst dein Leben leben. Mais tu sens que ce qui dit la parole de Dieu, c'est que cela va s'accomplir. Aber du spürst, wie das Wort Gottes sich erfüllen wird. Mais là, tu sais quoi faire. Aber du weißt, was du tun sollst. Ceux qui sont hors de toi, ils ne peuvent pas ce que tu as vécu. Diejenigen, die nicht das, die Leute sehen nicht, was du durchlebst. Mais toi, tu sais ce que tu vis. Aber du weißt, was du lebst. Et tu n'as ni le bon ni calme. Du bist nicht in Ruhe. C'est très bien. Das ist sehr gut. Je dis, tu es sur la bonne voie. Du bist auf dem richtigen Weg. Mais dis, danke, Pastor, danke. Er sagt zu mir, merci, Pastor. Le chrétien doit être comme ça. Die Christen müssen so sein. J'ai entendu un message. Ich habe ein Wort gehört. Le message de l'heure. Das Wort von dir. La Bible dit. Die Bibel sagt. Christ
serviteur fidèle? Was ist ein treuer Christ? Qui donnera la nourriture convenable? Der gute Nahrung. Au temps convenable. Der richtigen Zeit. Aujourd'hui. Heute. Il y a beaucoup de boulangers. Gibt es viele Bäcker? Mais. Aber. Tous les boulangers ne font pas le même pain. Nicht jeder Bäcker macht dasselbe Brot. Les boulangers sont les prédicateurs. Die Bäcker sind die Prediger. Parce que le pain c'est la parole de vie. Denn das Wort, das Brot ist das Wort Gottes. Mais tout le pain qui sont aujourd'hui fabriqués. Aber alles Brot, was jetzt produziert wird. N'ont pas le même goût. Haben nicht denselben Geschmack. Il y a des pains qui ont beaucoup de levure. Es gibt Brot mit viel Hefe. Il y a des pains qui ont moins de levure. Und welches wenig Hefe. Faut savoir quel pain faut-il manger. Und du musst wissen, was für Brot du essen sollst. La parole est laissée là, c'est le pain de vie. Das Wort Gottes ist das Brot des Lebens. L'ignorance. L'ignorance. Ça veut dire que l'ignorance c'est le défaut de la connaissance. L'ignorance ist ein Defekt von dem Wissen. La Bible dit c'est par le manque de la connaissance que le peuple de Dieu est égaré et péri. Die Bibel sagt, ohne dieses Wissen wird das Volk Gottes aufgehalten. So haben wir die Ignoranz der Zeit. Wir haben die Ignoranz der Zeit. Da wollen wir die Bibel kombinieren, dass wir die Bibel rajouter den Zeit. Wie wollen wir diese Zeit wieder aufholen? Epheser nous dit, rajouter den Zeit, car nous serons mauvais. Die Epheser sagt uns, holt die Zeit an, weil die Zeit schlecht ist. Il faut chanter quand il gêne, j'aime beaucoup. On va y belle et mi. Ma copine a pongi mon inga, bola mouka, boubile mana yesu. Ce que j'avais écrit. Was ich geschrieben habe. 15 ans, je ne me trompe pas. Mais quand j'écrivais cette chanson-là, quand je le chantais, il y avait une voix qui me soufflait des choses que je vis dans la chanson. Kam eine Stimme zu mir, die sagt, du wirst das erleben, was du singst. C'était un soir. Es war ein Abend. Avec le frère Simon. Mit unserem Bruder Simon. Je suis allé le visiter. Ich habe ihn besucht. Il a pris la guitare. Er nahm die Gitarre. Il a commencé à jouer. Er fing an zu spielen. Parce que lui ne connaissait pas les notes. Er kannte die Noten nicht, mais jouer. Aber er konnte nur spielen. Moi, j'ai dit joue. Sagt ihn spiel. J'ai commencé avec une voix qui me soufflait maintenant à l'oreille. Und dann gab es eine Stimme, die zu mir gesprochen hat. Mon cabo bele mana yesu. So so sieleli. Te molalina pongi moninga yola mon cabo bele mana yesu. Chantez gaiement, le temps est arrivé, le temps sonne. Toi qui dors, réveille-toi. Die Zeit ist gekommen, du der schläfst, wach auf. Mais le temps de traversant sont des temps très difficiles. Die Zeit, die wir durchqueren, ist eine schwierige Zeit. Mais encore le temps qui est vraiment plus difficile que ceci. Es wird noch eine Zeit geben, die schwieriger wird als diese. Moi, je prie à Dieu. Ich bete zu Gott. D'être enlevé au premier tour. Mich beim ersten Mal zu erheben. Il y aura aussi des repêchages. Es wird noch welche geben, die nachkommen. Et vous connaissez les repêchages, non? Oh non, j'ai réussi dans 10 cours, mais 3 j'ai échoué. Et le péché a dit, mais il répond avec ça. Chez nous, au Congo, je ne sais pas si c'est un ancien. Chez nous, il y en a beaucoup. Là, c'est des enfants qui reprennent la classe à cause du repêchage. Moi, j'ai repris la première séance à cause du repêchage. Pourquoi? Wieso? J'ai repêché en mathématiques et en géographie. Weil er Mathe und Geographie nicht konnte. Non, c'est bien écrit mon nom, maths et géographie. Man hat auch richtig aufgeschrieben, Mathe und Geographie. Mais les professeurs. Aber der Professor. Voulait que je donne de l'argent. Wollte, dass ich ihm Geld gebe. Alles ist en face de l'idée, c'est de l'idée. Il n'est pas vous donner l'argent. Er wird euch nicht Geld geben. Il dit, moi je vais faire l'examen. Ich habe ihm gesagt, ich werde die Prüfung machen. Il dit, pas d'examen, pas d'argent, pas d'examen. Er sagt mir, kein Geld, keine Prüfung. Je n'ai pas donné rien d'argent. Ich habe das Geld nicht gegeben. J'ai repris la première séance. Und habe die Klasse wiederholt. J'ai repris avec honneur. Und ich habe mit Auszeichnung gegeben. J'ai refusé la corruption. Aber ich wollte die Korruption nicht. D'autres donnent l'argent. Andere geben Geld. Die passent les classes. Damit du die Klassenstufe schaffst. En fin de compte. Und dann zum Schluss. On va dire au bureau, fais ceci, tu ne sais même pas faire. Tu commences à demander, comment on fait ça? Dann fragt man dich, wie macht man das? Comment tu as monté les classes? Tu as acheté le point. Tu as acheté le point. Du hast deine Punkte erkauft. Et chez nous, les filles, on leur donne même leur corps pour le point. Und es gibt Frauen, die ihr Körper geben für die Punkte. Pour ça, tu dis, moi je couche avec toi, je donne le point. Dann sagt der Professor, wenn du mit mir schläfst, kriegst du deine Punkte. Il y a des étudiants qui sont engrossés, qui ont des maladies à cause de points. Es gibt Schülerinnen, die schwanger oder Krankheiten bekommen haben, weil sie Punkte wollten. Tu vas monter des classes. Du schaffst die Klassenstufe. Tu as en première licence. Du machst dann. Tu retournes après avec un enfant de licence.
Du machst deinen Abschluss und hast ein Kind. Avec une maladie de naissance. Mit einer Krankheit durch diese. L'ignorance. Bien-aimé, on a parlé de l'ignorance de nos origines. Wir haben über die Ignoranz unserer Herkunft gesprochen. Ça veut dire, n'oubliez pas d'où sont venus. Vergiss nicht, woher wir kommen. Toi qui oublies là où Dieu t'a pris. Du, der vergisst, wo Gott dich her hat. C'est un danger que tu cours. Das ist eine Gefahr. Toi qui oublies la famille d'où tu es sorti. Du, der deine Familie vergisst. C'est un danger que tu cours. Das ist eine Gefahr. Dans ta famille, il y a beaucoup de sorciers. In deiner Familie gibt es viele Hexer. Et là, tu as oublié qu'il était de faire. Quand on dit prier, tu ne pries même pas. Wenn man sagt, bete, betest du nicht. C'est ça le défaut de l'ignorance. Aujourd'hui, je ferai l'effort de parler à cause de deux points d'ignorance. Heute werde ich noch ein bisschen über l'ignorance. À défaut, trois. Zwei oder drei Punkte. L'ignorance. L'ignorance. De la prière. Das Gebet. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus la prière. Heute mögen die Kinder Gottes das Gebet nicht mehr. Quand on dit d'aller prier, wenn man sagt, bete, les gens ne veulent pas. Wollen die Leute nicht beten. On ignore, man ignoriert, que la prière, dass das Gebet, a une grande puissance, eine große Kraft hat. La prière, das Gebet, a un grand pouvoir, hat eine große Macht. La prière, das Gebet, c'est la clé, ist der Schlüssel, qui ouvre toutes les portes, die alle Türen öffnet. Or, dans la prière, im Gebet, il y a aussi la persévérance. Ist auch das Vorankommen. Dans Luc chapitre 11, Lukas, Kapitel 11, le premier le verset premier, erster Vers, les apôtres disent au Seigneur, die Apostel sagen zum Herr, Seigneur, Herr, apprends-nous à prier. Bring uns, lehr uns, wie man betet. Alléluia. Bien-aimé, il ne faut pas ignorer. Du darfst nicht ignorieren. Et sans la prière, dass ohne das Gebet, il sera difficile, wird es schwierig, d'avoir accès, Zugang zu haben, à tes bénédictions, zu deinen Segnungen. Tu peux dire Amen. Amen. Savez ce que le diable fait? Vous savez ce que le diable fait? Hier, j'ai parlé avec un bien-aimé. Gestern habe ich mit jemandem gesprochen. Je dis, tu as prié? Ich habe die Person gefragt, hast du gebetet? J'ai lu la parole de Dieu. Hast du das Wort Gottes gelesen? Je dis, non, je n'ai pas lu. Die Person sagt, ich habe nicht gelesen. Mais tu as prié? Ich habe gefragt, hast du gebetet? Je dis, je n'ai pas envie de prier. Sie sagt, ich habe keine Lust zu beten. J'ai dit, oui, je te comprends. Sagte der Person, ich verstehe dich. Moi aussi. Il m'arrive des fois. Ich habe selbst Momente, dass ich nicht beten möchte. J'arrive. Es passiert. Moi aussi. Ich auch. Il m'arrive des fois. Passiert je manchmal. Sais pas pourquoi je lis la parole de Dieu. Dass ich nicht die Lust habe, das Wort Gottes Mais, zu lesen. Comme le monde dit, aber wie die Welt sagt, l'appétit vient en mangeant. Das Leben kommt, wenn man isst. Dès que tu commences à lire un verset, sobald du einen Vers liest, tu vas en lire 10. Wirst du 10 lesen. Alléluia. Mais pour commencer, aber um zu beginnen, c'est là le problème. Das ist das Problem. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin de prier, commencer à adorer, commencer à chanter. Wenn du nicht beten möchtest, fang an zu singen. Cherche un cantique que tu aimes beaucoup. Such ein Lied, was du sehr magst. Commence à le chanter. Fang an zu singen. Et plus tu vas chanter, je mehr du singst, si là, tu n'as pas besoin de mes paroles, wenn du alle Wörter kennst, commence à dire merci à Dieu. Dann sag danke. Va dire merci pour ta vie. Danke für dein Leben. Merci pour tes parents. Danke für deine Merci Eltern. Pour tes enfants. Danke für deine Merci pour tes études. Danke für deine tu auras petit à petit, tu vas te retrouver comme ça, tu avais trop envie de prier. Und so je mehr du aussprichst, umso tiefer gehst du ins Gebet. Nous devons aimer la prière. Du musst das Gebet mögen. Car 1 Timotheus 5 nous dit prier sans cesse. 1 Timotheus 7 sagt uns, betet ohne Ende. Quand un chrétien ignore la prière, wenn ein Christ das Gebet ignoriert, il rate beaucoup de choses. Verpasst er viele Dinge. La veille ne prend que 5 heures du temps. Nach Gebet dauert nur 5 Stunden. 5 heures de souffrance. 5 Stunden im Leid. Des fois, on est fatigué. Manchmal sind wir erschöpft. On a sommeil. Man ist müde. Papa s'en va aller travailler samedi. Und dann musst du am Samstag arbeiten. Mais il est venu dans la veille. Aber er kam zum Nachtgebet. Et trois s'en va dit, mon camp, je rentre, je vais me reposer un peu. Und 3 sagte, ich kehre heim, um mich zu erholen. Mais il a fait 4 heures devant le Seigneur. Aber er hat 4 Stunden vor dem Herrn verbracht. Il allait se reposer quelques heures pour le travail. Um sich einige Stunden zu erholen. C'est un grand sacrifice. Das ist ein großes Opfer. Alléluia. C'est un grand sacrifice. Ein großes Opfer. Oh, je viens de la veille, j'étais fatigué. Ich kam zur Nacht mit und bin müde. J'étais là derrière. Ich saß hinten. Et j'ai baillé tout le monde. Ich bin die ganze Zeit am Gehen. J'ai tenu qu'à 5 heures du matin. Bin bis 5 Uhr liegen. C'est un sacrifice. Es ist ein Opfer. Mais dans le sacrifice, Dieu paye.
Die Opfer bezahlt Gott. Sacrifice tu payes. Die Opfer, die du bringst, bezahlt si Gott. Si, sacrifice pour la prière. Wenn du dich fürs Gebet opferst, tu as semé. Hast du gesät? Et tu vas récolter. Und du wirst ernten. On va lire vite. Wir werden lesen. Dans Luc 11. Lukas 11. 5 à 13. 5 bis 13. Mais ça c'est un enseignement, vous écrivez, vous nous écrivez beaucoup, hein, écrivez le passage. Schreibt euch das auf. Il faut une fois d'aller un peu vite. Luc chapitre 11. Lucas chapitre 11. Le vice-berger nous fait lecture au nom puissant de Jésus. 5 à 13. On s'élève, honorer la première lecture de la parole de Dieu. Lucas 11, 5 bis 13. Luc chapitre 11. Du 5e au 13e verset. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se levera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous l'ai dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. Mettons-nous au Jésus. La prière, c'est le fait de communiquer avec son Dieu. Das Gebet ist die Kommunikation zwischen dir und Gott. Jésus s'est levé chaque matin pour aller prier. Jesus stand jeden Morgen auf, um zu beten. Le roi David dit que non, le matin il ouvre sa bouche pour aller à Dieu. Auch der König David hat gesagt, morgens hat er seinen Mund geöffnet. Tous les héros de la Bible étaient des gens de prière et persévérant dans la prière. Alle Helden in der Bibel haben gebetet. Jacob, pour que son nom puisse changer, devenir Israël, il a prié toute la nuit à combattre avec Dieu. Um Jakobs Namen zu ändern, hat er jeden Abend zu Gott gebetet, damit er Israel wird. Nous avons différentes sortes de prières. Wir haben verschiedene Arten zu beten. Les prières de matin. Morgens gebet. Les prières de midi. Mittagsgebet. Les prières de minuit. Nachtgebet. Les prières d'adoration. Beten und die Lobpreisung. Les prières de combat. Beten und kämpfen. Et les prières de remerciement. Es gibt Dankbeten. Dans la prière, bien-aimé, il y a des promesses. Im Gebet gibt es Versprechen. Quand on prie. Wenn du betest, c'est de là que Dieu donne des promesses. Gibt Gott Versprechen. Or, j'aime beaucoup ce passage dans Romains 4, 21, où la Bible dit que notre Dieu n'est pas seulement un Dieu de promesses. Ist nicht nur ein Gottesversprechen. Celui qui promet et qui réalise. Wenn sie verspricht, réalisiert. Nous devons aimer la prière. Wir müssen das Gebet mögen. Aimons à prier. Mögen wir zu beten. Mais c'est dommage. Es ist traurig. Nous prions quand nous avons un problème. Dass wir nur beten, wenn wir Probleme haben. Quand le problème est là devant la porte, on prie. Wenn Probleme vor der Tür stehen, dann beten wir. Quand le problème s'en va. Wenn die Probleme vorbeigehen. Wenn le problème fait un tour. Oder eine Runde dreht. Parce que le problème c'est le diable. Weil die Probleme ist der Teufel. Il y a d'autres problèmes que le diable nous amène pour nous égarer. Es gibt Probleme, die der Teufel uns bringt, um uns anzuhalten. Il y a des problèmes que Dieu permet pour nous faire grandir dans la vie spirituelle. Aber Gott lässt dies zu, um uns spirituell wachsen zu sehen. Quand il y a un problème. Wenn ihr ein Problem habt. Ça veut dire à l'église. Wenn er in die Gemeinde kommt, ça veut dire, ruft er mich an. Papa va prier. Papa wird beten. Mais quand le problème va passer, aber sobald das Problem vorbei ist, on le verra plus. Siehst du die Person nicht. On oublie. Man vergisst, que la Bible dit, dass die Bibel sagt, que notre ennemi,
Dass unser Feind, dans 1 Pierre 5, 1 Petrus 5, chapitre 8, verset 8, si je ne me trompe pas, vers 8, qu'il le rôde comme un lion. Er wandelt um uns her wie ein Löwe. Il vient avec toi devant ta porte avec un problème. Er kommt vor dir, wenn du Probleme hast. Il te voit que tu pries. Er sieht, dass du betest. Qu'est-ce qu'il va faire? Was macht er? Il s'en va. Er geht. Il va encore revenir. Er wird wiederkehren. Le jour va revenir. An den Tag, wo er zurückkehrt, dans la prière, und dich nicht mehr im Gebet findet, il va pas rentrer. Dann wird er ein. Il va aller chercher cet plus fort esprit que lui. Dann wird er jemand Stärkeres suchen. Et il va rentrer. Hineinbringen. Quand nous prions, wenn wir beten, devons persévérer. Müssen wir vorankommen. Je ne sais pas quand tu vas me visiter. Du weißt nicht, wann man dich besucht und wann der Teufel. Je ne sais pas quand la réponse de Dieu. Du weißt nicht, wann Gott kommt. Donc quand je prie, wenn ich bete, Dieu, Gott, peut venir aujourd'hui. Kann heute kommen. Peut le faire demain. Kann es morgen. Après demain. Oder übermorgen. Tout dépend de la souveraineté de Dieu. Alles hängt von Gott. Halleluja. Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas la prière. Ici on parle de la persévérance et la promesse dans la prière. Hier spricht man über das Voranschreiten. On dit quelqu'un a-t-il un ami? Wenn jemand einen Freund hat, il va chez son ami. Wird er zu seinem Freund gehen? S'il demande, und ihn fragen, au milieu de la nuit, mitten in der Nacht, de moi ce dont j'ai besoin. Ich brauche etwas. Même si tu commences à lever pour lui donner pas ce qu'il veut. Selbst wenn du ihn nicht genau das gibst, was er braucht. Et il va se lever parce qu'il le dérange. Müsste er sich erheben, weil du ihn störst. Est-ce que dérange-tu Dieu pour ton problème? Störst du Gott mit deinem Problem? Ou bien quand tu pries une minute. Oder wenn du eine Minute betest. Comme dit quelqu'un. Jemand sagt. Quand tu veux le prier. Du betest. Il n'a pas envie de prier. Du hast keine Lust zu beten. Et je vais seulement chez nous. Du gehst auf die Knie. Et dis Seigneur. Sagst Herr. T'as prié comme hier. Das Gebet wie gestern. Amen. Das gestrige Gebet, Amen. Ihr habt es verstanden? Was ist mal ein Problem, was da in der Bibel? Nimm einfach das Gebet, was gestern gesprochen hat. Content souvenir. Und hör es dir heute mal an. Mais la Bible dit. Aber die Bibel sagt. À chaque jour, tu vis ta paix. Jeden Tag ist es wert. Et Dieu. Gott. Donner la main à chaque jour de l'Israël. Hat jeden Tag das Gebet. C'est comme je te dis à Dieu. Dieu. Gott. Je veux mal avoir la main d'hier. Ich will das von gestern. Mais c'est pour la vie. Aber es ist auch schon schlecht. La consommer la main, il faut la consommer le même jour. Du musst es am selben Tag. Ce que tu gagnes est pour lui, ton consommer. Wenn du es da lässt, wird es verdorben. Il y a des prières qui ont des couches devant Dieu. Es gibt Gebete, die verdorben sind. Et dans ma prière, il y a ma prière, il y a du dormant. Es gibt Gebete, die einfach nur verdorben sind. L'ignorance dans la prière. L'ignorance im Gebet. Parce qu'il faut prier une heure. On ne peut pas faire, non. Man sagt nicht, dass wir Papa Fritz eine Stunde beten muss. Pourquoi je dois prier pour ma sama, non? Oder wie Papa Matat oder Papa Massama. Prier, c'est dialoguer avec Dieu. Beten ist ein Dialog zwischen dir und Gott. Je veux dire la vérité dans mon cœur. Ich werde Gott das sagen, was mir merkt. Si c'est deux minutes, ça me suffit. Wenn es zwei Minuten sind, dann reicht das. Mais quand il s'agit de courage. Du schaffst nicht mal eine Sekunde. La prière. Das Gebet. Moi, je n'avais pas la voiture. Als ich kein Auto hatte. Pas ma tata, même si les 5 heures, je vais l'appeler. Pas ma tata, je vais la voiture. Selbst um 5 habe ich noch mit ma tata angefangen, dass ich mir ein Auto geben kann. Je m'a dit, hein? Eines Tages sagte er mir. Okay, prends la voiture, qui reste toute une semaine. Nimm das Auto und halte es für eine Woche. Ah, qui n'est rien mit toi. Er hat mir einfach das Auto überlassen. Na, tika, wapin, apart, na, tamo, na, obi. Und ich habe es im Parkplatz stehen lassen, bin ich dann gefahren. Nous devons importuner Dieu. Wir müssen Gott dazu bringen. Wenn er anfängt, dich zu segnen, wirst du schon erschöpft davon. Wir hatten einen Papa Gabi. Er war verheiratet, aber keine Kinder. Priez, pas d'enfant. Wir hatten Gebet und Gebet und keine Kinder. Il a commencé maintenant à s'importuner, il a porté la femme. Lui, il habitait en Hollande, la femme habitait ici en Allemagne. Die Frau lebt in Deutschland und er in Holland. Ici, il vient. Wenn er kam, il part. Und ging. Il dit comment là-bas? Fragt er, wie geht's dort? Oh, non, rien. Nein, es ist nichts. La femme vient me voir. Da kam die Frau zu mir. Il dit papa. Sagt papa. Lui, au moins, a une fille. Er hat eine Tochter. Moi, j'ai pas d'enfant. Ich habe gar keine Kinder. Il croit que moi, j'ai pas de soucis pour les enfants. Denkt er, ich kann keine Kinder mehr. Mais il m'importune. J'ai dit papa, les enfants ne viennent pas dans le stress. Und ich sagte, die Kinder kommen nicht unter Stress. Pas dans le stress. Die Kinder kommen nicht unter Stress. Les enfants, Dieu dit c'est un miracle. Les enfants sont de merveille, ils sont le don de Dieu. Die Kinder sind Wunder, sind die Gaben Gottes, die Geschenke Gottes. Un don ne vient pas dans le stress. Ein Segen kommt nicht unter Stress. Moi, je prie que Dieu m'aide. Ich bete, damit Gott mir hilft. Et ça ne m'arrive pas. Dass mir das nicht passiert.
Elle va dire, ah ben, même si je mets de la couche, je ne sais pas moi, j'ai des enfants, non. Il va se fâcher, non. Il va dire, il n'y a pas eu beau tellement qu'il peut rater la boîte. À propos, je retourne à l'aise. Ok, mais la boîte, c'est vrai. Weil ich habe ja schon Kinder. Wenn ich meiner Frau sage, wenn wir keine Kinder kriegen, ist es nicht schlimm. Dadurch wird sie beleidigt und mir Druck machen. Et on a commencé à prier. Wir haben gebetet. On priait. Wir haben gebetet. Ils sont allés en Belgique. Sie sind nach Belgien gezogen. Première fois, un enfant. Erstes Mal ein Kind. Deuxième fois, des jumeaux. Zweites Mal Zwillinge. Et on dit, on va continuer à dire, écoutez, d'arrêter, la naissance n'est pas beauté. Wir wollten weiter beten und der Mann hat gesagt, hört auf, so viele wollte ich eigentlich. Und sie fing an zu beten, Gott, stopp das. Si tu pries, wenn du betest, tu as semé, hast du gesehen, et tu vas récolter. Und du wirst ehren, quand tu seras béni, wenn du gesegnet wirst, dann musst du dir, Seigneur, dire merci. Musst du dich bedanken. Aujourd'hui, beaucoup de mannes qui ne demandent pas de dire des enfants. Ils disent merci, Seigneur. Heute sagt das paar Mann nicht mehr, bittet nicht mehr. Quand tu remets le matin, il va bénir les cramels. Wenn sie bénissent morgens Kramel. Oh, il dit, regardez, est-ce que vous bénissez le Seigneur? Sehen Sie das Werk Gottes. Il dit, Seigneur, merci. Sagen danke, Herr. Amen. Amen. Dieu attend ce temps-là. Gott hört, Gott wartet drauf. Et le Dieu, merci. Dass du danke sagst. Si mon épouse vient. Wenn meine Frau kommt. Priez, visa. Seigneur, merci pour moi parce qu'il est là. Dann werde ich deinem Herrn danken, dass sie da ist. Seigneur, voilà mon action de grâce. Danke dir, mein Segen. So mag es Gott. Mais pour arriver à ce niveau-là, faut commencer à prier. Musst du beten. Faut commencer à s'aimer. Musst du sehen. Commencer à construire la prière. Musst du weiter. Lève-toi la main de Dieu. Und er muss die Hand qui peut dire Amen. Amen. Halleluja. Mais on ignore la prière. Il faut aimer la prière. Du musst das Gebet mögen. Mais la Bible dit que l'esprit est disposé. Dass der Geist ist da. À prier du matin au soir. Der Geist möchte von morgens je ne m'habille pas bien. Siehst du, ich kleide mich nicht. Tu vois, je ne mange pas bien. Siehst du, ich esse nicht gut. Qui pleut? Wer weint? C'est la chair. Das ist der Körper. Qui va prier? C'est la chair. Wer wird beten? Das ist der Körper. Mais si je commence à pleurer, je vais dire, oh, suis, oh, pour ça. Aber sobald der Körper anfängt zu weinen, wird der Geist sagen, siehst du? Il faut parler avec ta chair. Du musst mit deinem Körper sprechen. L'apôtre Paul a dit, der Apostel Paulus sagt, je vais traiter durement ce corps. Ich werde diesen Körper misshandeln. Le Dieu, c'était son esprit. Er wird auf seinen Geist hören. C'était son âme. Es war sein Geist. Et bien, c'est un poisson. Und er sagte dem Körper, oh, Mona, du wirst sehen, oh, Mona, es gab ein du wurdest falsch geboren. Wenn du in einer anderen Familie geboren bist, wirst du einfach schlafen. Faut traiter Dieu la chair. Du musst deinen Körper misshandeln. La chair ne connaît pas les pardons. Dein Körper kennt kein Pardon. Quand il te pousse à pécher, wenn er dich dazu bringt, dann wird wird er kein Erbarmen von dir. Le jour de la mort, an dem Tag, wo du stirbst, la chair qui va souffrir. Ist nicht der Körper, der leidet. Amen. La chair rentre la poussière. Dein Körper wird wieder zu Staub. La chair va dire tschüss. Dein Körper wird bye. Bye, yo. Ciao, ciao. L'esprit va souffrir et l'âme. Parce que la chair, lui, rentre où? Dans la poussière, d'où il est venu. Denn der Körper wird wieder zum Staub, woher er gekommen ist. Nous autres, c'est un der Körper lacht uns aus. Nous autres, c'est un der Körper lacht le uns corps se moque de nous. Unser Körper lacht parce uns aus. Sait, denn er weiß, qu'à la fin du temps, am Ende lui va rentrer, lui est venu. Il est rentré, lui est venu. Wird er zurückkehren, wo er gekommen ist. Et toi, est rentré, lui est venu vers Dieu. Parce que Dieu dit quoi? Dieu a créé l'homme, il souffla son esprit dans l'homme. Denn der Herr, als die Menschen erschaffen hat, er sein Geist in ihm gesagt. Et l'homme devient une âme vivante. Und der Mensch wurde lebendig. Dans la chair. Im Körper. Le jour de la fin. Am Ende der Zeit. Bukaboni. Trennt ihr euch. Nzoto
Ce jour-là, les chambres ont pleuré. Oh, corps. Ça va acheter une belle voiture. Des beaux habits. Aujourd'hui. Heute. Le corps de l'île, Nathina Guillaume. Wird der Körper gesagt, habe ich dich dazu gesehen? Ich kam noch vom Stau. Il n'a pas vu ça. Hast du das nicht gesehen? Bye, yo. Bye, bye. Toi, tu vas en enfer. Du gehst in die Hölle. Le corps rentre dans la poussière. Und der Körper wird zu Stau. La prière! Das Gebet. Devons apprendre à prier. Wir müssen lernen zu beten. Parfaitement l'état. Ignorance de retour vers Dieu. Ça aussi. Ignoranz zu Gott zurückzukehren. Alléluia. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui manquent l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Die Erniedrigung bringt die Herrlichkeit. Tu as péché. Du hast gesündigt. Rentre vers Dieu. Kehre zu Gott. Ne sois pas comme Adam. Sei nicht wie Adam. Adam, s'il avait reconnu le péché, peut-être Dieu n'a pas l'électricité du jardin, s'il a reconnu. Hätte Adam seine Sünde angesehen, hätte Gott ihn nicht vom Garten Eden verbannt. Ce qui est caché pour Dieu, ce qui est révélé pour nous, peut-être c'est avoué. Was versteckt ist, ist für Gott und was offenbart ist, ist für uns. Adam, tu es où? Gott fragte, wo bist du, Adam? Il est là. Und sagt, hinterm Baum. Qu'est-ce que tu fais là? Was machst du dort? Je me suis caché. Ich habe mich versteckt. Pourquoi? Warum? À cause d'avant que je m'en connais. Oh! Bon, bah, tu nous encore la femme qui m'a donné. Wegen der Frau, die du mir gegeben hast. Dis seulement que Seigneur, je péché, je fais ce qui t'est interdit. Sag einfach, Gott, ich habe gesündigt, ich habe das gemacht, was du mir verboten hast. Ich bin Kanda! Und Gott war so wütend. Guck mal diesen Adam an. Je l'ai pris la poussière, je l'ai formé, je vais porter ma gloire avec toi. Ich habe dich aus Staub erschaffen, wollte mit dir meine Herrlichkeit teilen. Poussière, mon gauche, je te prends, je dis, je vais te former, je te partage ma gloire avec toi. Einfach so staub und wollte meine Herrlichkeit mit dir teilen. Ah, quelle grâce! Was für eine Gnade! Tu le connais là? So wie wir sind. Du coup, Bill Gates. Kommt Bill Gates. Il entre ici. Il dit, je vais adopter un enfant. Tous les parents peuvent vous donner des enfants. Soyez attentifs! Wenn sagt, ich will ein Kind adoptieren, werden alle Eltern ihre Kinder opfern und sagen, du meinst. On va oublier sur l'état d'âme, hein? Du wirst auch seine Seele vergessen, also wie er zu Gott steht. Bill Gates ist ein Milliardär. Weil alle wissen, dass Bill Gates ein Milliardär ist. Ebenezer sagt, dass er 1% der Richesse von Bill Gates. Wenn er Ebenezer adoptiv weiß, dass er mindestens 1% erbt. Ebenezer würde mich doch nicht vergessen. On a prié au chargé, et Ebenezer n'oublie pas. Seigneur, il faut que je me dise. Dann erinnerst du dein Gebet. Möge Ebenezer mich nicht vergessen. Möge er mich nicht vergessen. On n'a pas entendu cela, un parent a adopté son enfant et puis l'enfant est bien riche. Et la maman est sortie et dit non, c'est mon enfant. On n'a pas entendu cela. Kennst du die Geschichte nicht? C'est fait, non? Mutter, die ihr Kind zur Adoption freigegeben hat, das Kind, das reich wurde, auf einmal kam die Mutter und sagte, das ist mein Kind. Pour avoir du succès dans la vie, mais il faut rentrer vers Dieu. Um das zu sehen, was in deinem Leben ist, musst du zu Gott. Là, il y a deux exemples. Gibt's noch ein weiteres Beispiel? Le premier écrivait seulement dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32. Luc chapitre 15, Lucas, chapitre 11 à 32. 11-32. Pour être rétabli, zu werden, pour être restauré, erneuert zu werden, il faut retourner vers Dieu. Musst du zu Gott kehren. Alléluia. Cela que j'aime, beaucoup de gens ne le font pas. Viele machen es nicht. Tu as quitté l'église. Du hast die Gemeinde verlassen. Tu dis, ah, c'est le plus comme je dis, je ne veux plus rentrer là-bas. Wenn du sagst, ich habe diese Gemeinde verlassen, ich werde auch nie wieder zu dir zurückkehren. Tu es conscient. Ist dir bewusst? Que c'est là où il y a du sérieux. Dass es dort ernst ist. Tu le dis aussi. Du sagst es auch. Pour bien prier, c'est là où il faut aller. Um gut zu beten, müsst ihr dorthin. Mais, à cause de la honte. Aber weil du dich schämst. Tu dis, non, non, non. Sagst nein. Oh, j'ai déjà quitté. Ich habe die Kirche schon verlassen. Ich werde nicht zurückkehren. Pourquoi les gens ne vont plus à l'église? Warum haben die Leute Angst, zurückzukehren? Je m'adresse aux fidèles et aux prédicateurs. Ich spreche zu den Gläubigen und zu den Predigern. Parce qu'il y a d'autres prédicateurs. Es gibt Leute, die predigen. Ils prêchent des choses qui font peur à ceux qui viennent de l'église. Die machen Angst an den zu den Leuten, die in die Gemeinde kommen. Alléluia. Amen. Ah, vous êtes partis, 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 vous êtes Sagen,
sagt immer, ihr habt die Gemeinde verlassen, seid überall hin gewesen, jetzt kommt ihr wieder zurück. Seht ihr, was der Antichrist sagt? Je mens? Non. Et un homme de Dieu dit Bangou. Lui, Bardas, il a dit, même si tu fuis mon église, er hat gesagt, wenn du meine Gemeinde verlässt, wirst du zurückkehren. Siehst du, wie die Leute ärgerst, wie du sie provozierst? Und andere werden dann erst recht gehen und nicht wiederkommen. L'église, c'est pour Dieu. Die Gemeinde ist für Gott. Nous, nous sommes les intendants. Nous sommes les surveillants. Wir passen nur drauf auf. Ne prêchons pas les réalités de l'église. Oh, comment est-ce que tu es en train de se faire? Reden wir nicht über Leute, die sich trennen oder sonst was, sondern über Jesus. Jesus hat mir gesagt, ich soll nur seinen Namen predigen. Nicht, weil es vier Scheidungen in der Gemeinde gab. Heißt es, dass du jetzt nur über Scheidungen redest? Frauen sind untreu. Es gibt andere Frauen wirklich. Vielleicht ist es nicht das, was man zu der Zeit predigen sollte. Alléluia. Ceux qui sont partis pour rentrer l'église, ils disaient, ils vont à l'écho. Diejenigen, die gegangen sind und wiederkommen werden wollen. On parle de vous qui êtes partis, et vous êtes partis, vous avez échoué. Und dann hören sie, wie man sagt, ja, ihr seid gegangen und habt es nicht geschafft. Ils sont partis parce qu'ils sont entre nous, il y avait des erreurs. Vielleicht sind sie gegangen, weil es bei uns auch Probleme gab. Concertons-nous, est-ce que on a fauté pour faire du bien, pour que ça ne parte pas? Denn wir müssen darüber sprechen, um diese Fehler zu vermeiden. L'enfant prodigue l'a commencé à souffrir. Das Kind, was das sein Zuhause verlassen hat, fing an zu leiden. Il a dit non, la vie que je mène, la journée qu'on se souvient à Kinshasa, quand il pleut, la journée vers 14-15 heures là. Les pluies vraiment violentes là, ils s'abattent. Et ils étaient des grands garçons, ils vont se laver sur le chemin dans la pluie. Ils courent plutôt sur la pluie. Und so erwachsene junge Männer haben gesagt, wenn es regnet, werde ich mich waschen. J'ai d'autres choses, les mêmes choses sont des rêves. Tu sais qu'il y a un peu de es gibt Dinge, selbst wenn du davon träumst, solltest du es nicht laut aussprechen. Ah, ich soll raconter, sieben große Jungs. Et puis, oui, c'est avec des pantalons, avec des sous-vêtements. Sie haben sich mit Unterwäsche gewaschen. Ah, comment ça s'est lavé? Ah, c'était un bandal. Ah, ils ont coupé, ils ont traversé les pépinières. Et puis, de ce côté-là, la pluie comme elle a commencé. Dort, weil es anfing zu regnen. Comme il s'est arrêté. Und auf der anderen Seite hat es schon aufgehört. Es hat stürmisch geregnet und plötzlich aufgehört. Und dann waren sie auf der Seite. Jetzt mussten wir wieder zurück auf die andere Seite, um nach Hause zu kommen. Um 15 Uhr morgens. Und es war 15 Uhr. Comment on va rentrer à la maison? Jetzt fragen sie sich, wie kehren wir heim? Ah! Il dit, si on est là, c'est sauf qui peut. Dann hieß es, jeder rette sich, wer kann. Et puis après la pluie, les gens, vous avez fait le gosse, in der Stadt, wo sie gewesen sind so viele Leute und kamen alle raus. Et sauf qui peut. Und es hieß, rette sich, wer kann. Les gars étaient les plus vite, hein, mangalana bongwa. Les plus rapides, dit, ah, on m'entend, on m'y a tiré, on m'y a tiré, tout cas, on m'y a tiré. Der schnellste von ihnen sagte, niemand hilft den anderen, jeder für sich. Die Geschichte ist wahr, mein Freund fing an zu laufen. Wenn er alleine wäre, könnte er gerettet werden. Aber wenn du ganz schnell vorbeiläufst, spürst du nur eine Präsenz, du merkst, dass jemand vorbeiging. Aber es ist nicht vorbei. Sorciers. On dit qu'ils sont sorciers, ils ont pété l'essence, ils ont commencé à fouiller. Maintenant, arrivé à la maison, comment rentrer à la maison? Angekommen, musst du jetzt sehen, wie kommst du ins Haus? À Bandar, il y a des ruelles, hein, des tunnels. Ils ont besoin de dire des tunnels, mais comment ça passe? Il faut que l'un de ces sacrifices
einer von denen musste sich opfern. Donc l'agneau donc est bon en pâte à couffa. Das Schaf musste sich opfern, damit die anderen gerettet werden. Donc lui il est resté, non moi je veux rentrer. Il entre à la maison, il met les pantalons, les tricots, il est allé jusqu'au marché, nous les ses amis, il va au frère Dédé, il va dire, tu nous l'avais grandi, tu peux vendre, si pas Dédé, tu rentres dans la chambre, tu prends son pantalon. Tu vois, je ne commence pas, tu prends pas ton chef. Et puis tu vas aller trouver les amis. Et puis tu vas aller mettre Manawara Mimoula Tandengini. Bah tiens, on se voit. Le conseil, tiens, c'est dit qu'il voulait le conseil. Le retour vers Dieu. Rückkehr zu Gott. C'est important. Es ist wichtig. Faut avoir le courage. Du musst den Mut haben. Cet enfant peut dire qu'il dit non, je me lève, je vais rentrer vers mon père. Das Kind sagt, ich erhebe mich. Même si tu vas m'insulter. Selbst wenn er mich beleidigt, mais je vais rentrer vers Dieu. Werde ich zu Gott zurückkehren. Mais toi, tu ignores le retour vers Dieu. Du ignorierst die Rückkehr zu Gott. Tu dis, oh, c'est que le péché que j'ai commis, Dieu m'a accepté. Die Sünde, die ich getan habe, wird Gott accepter. Dieu pardonne tout péché. Gott vergibt alle Sünden. Alléluia. Dieu pardonne tout péché parce que toi, tu as du prix à ses yeux. Denn du hast einen Preis in seinen Augen. Rentre vers Dieu. Kehre zu Gott. Bien, mais pour vaincre. Um zu siegen. Pour réussir dans la vie. Um erfolgreich il faut zu sein, retourner vers son Créateur. Der dich créé. On va lire Jean chapitre 10, verset 1, fini par là. Jean chapitre 10, verset 40. Pas Timothée va nous lire sa version. Jean 10, Johannes 10, verset 40. Verset 40. Il y a beaucoup d'ignorance, mais on finit par là. Jean 10, verset 40. Amen. Après cela, Jésus se retira de l'autre côté du Jourdain, au lieu même où Jean avait précédemment baptisé. Il y resta quelque temps. Beaucoup de monde vint le trouver. On disait, Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit de cet homme était vrai. Amen. Amen. Dieu parle Dieu. Bevor Jesus von Gott gepriesen wurde, avant de commencer le temps de souffrance, bevor er die Zeit des Leidens begann, savez ce qu'il a fait? Was tat er? Il est rentré là où on l'avait baptisé. Er ging zurück, wo man ihn getauft hat. Alléluia. Amen. C'est biblique. Steht in der Bibel. Il n'est pas rentré au Cana, à la fête de Cana. Er ist nicht nach zur Fest von Cana gegangen. Il faisait rentrer là-bas. Mais dommage, parce que l'onction de Dieu n'était pas dans la fête. Denn die Salbe Gottes war nicht bei dieser Feier. Il veut rentrer là où il était né. Er könnte dort zurückkehren, wo er geboren wurde. Dommage. Leider. Il est rentré là où il a été baptisé. Ist er dort zurückgekehrt, wo er getauft wurde. Pourquoi on dit aux enfants de Dieu d'être baptisé? Deshalb sagt man den Kindern Gottes, getauft zu werden. On dit que quand on est baptisé, on réveille Christ. Donc là, tu es sous la cible. Man sagt, wenn du getauft wurdest, trägst du Jesus Christus. Le baptême, ce n'est pas ce qu'on avait reçu dans l'Église catholique. Die Taufe ist nicht, was du in der katholischen Gemeinde hast. C'est pas le baptême. Das ist nicht die Taufe. Vous avez mal lavé la tête parce que la tête fait beaucoup de poussière. Dir wurde nur der Kopf gewaschen, weil es staubig gewesen ist. Le baptême, c'est le fait de plonger dans. Die Taufe ist, wenn du richtig hineinfällst. Tu meurs. Du stirbst. Et tu restes avec le Seigneur. Und du wirst wieder mit Jesus Christus auferwachen. Moi, j'étais baptisé dans l'Église catholique aussi. J'étais baptisé. Ich wurde auch katholisch getauft. Par aspersion. Ja, katholisch getauft. J'ai eu le baptême ici à Hambourg. Aber ich habe die richtige Taufe hier in Hamburg gehalten. Sont mes collègues qui m'ont baptisé. Das sind meine Kollegen, die mich getauft haben. Bien-aimé, rentre. Vers celui qui t'a créé. Zu dem, der dich erschaffen hat. Tu ignores que ton salut
dass deine Rettung, et ta réussite, dass dein Erfolg, et parce que tu vas rentrer vers le Seigneur. Und davon abhängt, ob du zum Gott zurückkehrst. Rentrer vers Dieu veut dire quoi? Was bedeutet es, zu Gott zurückzukehren? Reconnaître ses fautes. Deine Fehler einsiehst. Reconnaître ce péché. Deine Sünden einsiehst. Et dis Seigneur. Und sagst Herr. Je ne veux dépendre que de toi. Ich möchte von dir abhängen. Parce après ça. Nachdem du das Jésus weißt, a commencé le long chemin jusqu'à la croix. Fing Jesus den langen Weg bis zum Kreuz an. Et la Bible dit. Und die Bibel sagt. Il n'y était plus jamais retourné. Er ist nie wieder zurückgekehrt. Amen. Il est rentré cet endroit pour se ressourcer. Er ist zurückgekehrt, um wieder Kraft zu tanken. Parce que c'est, vous savez, peut-être ceux qui ont la chance d'aller demander à Kinshasa, d'aller faire la Kakim. Die Chance hatten, mal wieder nach Kinshasa zu gehen. Qu'est-ce que tu as senti quand tu es rentré le premier jour, la première fois que tu as ça, à un endroit où tu étais avant? Was hast du gespürt, als du in ein Ort gewesen bist, wo du damals warst? La nostalgie. Die Nostalgie. Amen. Comment suis-je rentré la première fois que je suis allé là où j'ai obtenu mon diplôme, dans mon école? Als ich wieder, als er wieder in Kinshasa gewesen ist, ist er dort wiedergekehrt, wo er sein Diplom hatte. Quand je suis rentré à l'institut, als ich diese Schule betrat, je sentais un vent qui entrait en moi. Spürte ich einen Wind in mir. Les professeurs sont venus vers moi. Die Professoren kamen zu mir. Oh, ils m'ont embrassé. Die haben mich umarmt. La secrétaire, oh, qui bat Dieu? Tu es devenu un homme? Die Sekretärin sagt, du bist jetzt ein Mann. Oh, avec ses études, j'ai fini, c'était intelligent. Du warst sehr klug, was hast du gemacht? J'ai dit oui. Sag ja. J'ai eu mein Diplôme en mariage. Ich habe mein Diplom in der Hochzeit bekommen. Ja, c'est bien. Ja, ist das gut. Il faut rentrer! Du musst heimkehren. Vers le Seigneur. Zum Herrn. Il faut rentrer. Du musst zurückkehren. Au retour, au commencement. Zum Anfang. Là où Dieu t'a pris. Dort, wo Gott dich her hat. C'est Dieu qui t'a créé. Er hat dich erschaffen. Mais si tu ignores cela. Wenn du dies ignorierst. Tu vas continuer de pécher en péché. Wirst du weiterhin sünden und sünden. Et problème en problème. Probleme, Probleme. De mal en mot. Schlechtes im Wort. Rentre vers Dieu. Kehre zu Gott. Même quand tu es pécheur, selbst wenn du sündigst, et dit, venez à moi. Er sagte, kommt zu mir. Tous qui êtes fatigués, ihr alle, die erschöpft seid, je vous donnerai du repos. Ich werde euch Erholung geben. Halleluja. Amen. L'ignorance de retour. Ignoranz der Zurückkehr. Tout enfant de Dieu. Jedes Kind Gottes doit savoir. Muss wissen. Que même s'il se promène, il va ailleurs partout. Wenn er überall hingeht. Mais. Aber. Ton salut. Deine Rettung. C'est en Jésus. Ist in Christus. Parce que la Bible dit, denn die Bibel sagt, il y a le salut. Es gibt die Rettung. An aucun autre nom. Unter keinem anderen Namen. Dans les cieux. Im Himmel. Sur la terre. Auf der Erde. Sur la terre. Unter der Erde. Il y a un seul. Gibt es einen einzigen. L'unique nom. Den einzigen Namen. Qui a été donné aux hommes. Pour être délivré. Und befreit zu werden. C'est le nom de Jésus. Das ist der Name Jesus. Halleluja. Amen. Il faut retourner vers lui. Du musst zu ihm zurückkehren. Avec tous tes fardeaux. Mit deinem ganzen Last. Quand on peut dire, rentrer vers son père. Wenn man sagt, kennst du deinen Vater. Son père n'a pas dit, oh, voyou. Sagt er nicht. Va-t'en de chez moi. Geh von mir. J'ai pris la rente, j'ai parti. Du hast das Geld genommen und bist gegangen. Il a pris, oh, mon fils. Er sagte, mein Sohn. Comme tu m'as manqué. Wie du mir gefehlt hast. Il a fait une fête. Er hat eine Feier organisiert. L'ignorance de retour. Die Ignoranz des Rückkehr. Retournons vers le Seigneur. Kehren wir zum Herrn zurück. Ce n'est que lui. Es ist nur er, qui te connaît de plus que toi-même. Der dich besser kennt als du dich selbst. Moi, je te connais pas. Ich kenne dich nicht. C'est Dieu qui te connaît. Gott kennt dich. Moi, je peux t'aimer comme lui t'aime. Ich kann dich nicht lieben, wie er dich liebt. Il t'aime tellement. So, er liebt dich so sehr. Il dit que tu as du prix à ses yeux. Sagt, dass er sagt, dass du Preis in seinen Augen hast. Que le Seigneur dass der Herr nous aide uns hilft, à enlever l'ignorance. Ignoranz zu entfernen. À ne pas prier. Dass wir nicht beten. À vraiment prier. Dass wir lernen zu beten. À enlever l'ignorance. Dass wir die Ignoranz entfernen. C'est que quand j'ai un problème, dass wenn ich ein Problem habe, je vais rentrer vers Dieu. Werde ich zu Gott kehren. Et Dieu, und Gott, il va m'accepter. Wird mich akzeptieren. Que le Seigneur, möge der Herr, bénisse sa parole. Sein Wort. Sein Wort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier discrètement? Können wir uns erheben, um gemeinsam zu beten? Oui, pour tout Seigneur. Oui, pour tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne.
Dis merci au Seigneur parce qu'il nous a parlé. Nous devons retourner vers le Créateur. Wir müssen zu unserem Erschaffer zurückkehren. Comme l'enfant prodigue. Wie der Verstoßene. Il avait compris une chose. Er verstand eins. Que comment je peux continuer à souffrir. Wie kann ich weiter so leiden? Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à souffrir. Du kannst nicht weiterhin leiden. Et pourtant ton Père t'appelle. Obwohl dich dein Vater ruft. Il est miséricordieux. Er ist ein Il ne tiendra pas compte parce que tu as lapidé tout l'argent qu'il t'avait donné. Cet enfant avait tout lapidé. Das Kind hat alles mais il est revenu vers son père. Aber kam zu seinem Vater zurück. Nous avons un père qui est miséricordieux. Der hat einen barmherzigen Gott, un père qui sait nous comprendre. Der uns versteht. Un père dont la Bible dit sa bonté dure à jamais. Die Bibel sagt, dass seine Liebe unendlich ist. Bien-aimé, demandons pardon à Dieu. Prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est vrai. Je reviens vers toi parce que tu es mon Père. Seigneur, sans toi, je ne fais rien. Voilà pourquoi j'ai reconnu ma faute. J'ai reconnu que j'ai péché contre toi, Seigneur. Voilà pourquoi je viens te supplier, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Si j'ai commis une violence dans la prière, Seigneur, Seigneur, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider. Parce que tu ne veux plus oublier. Tu veux rentrer dans la prière. Tu veux que le Seigneur t'aide pour tout ce que nous avons appris. De ne pas vivre dans l'ignorance. Parce que faute de connaissances, mon peuple périt la parole. Denn wenn du die Wahrheit nicht kennst, wir prions à l'Esprit de Dieu de parler l'ignorance. L'ignorance sur toutes ses formes. Seigneur, je mets cette offrande au nom puissant de Jésus. Segne la main qui a contribué. Die Hand, die gegeben hat. Et celle qui a manqué, pour te rendre pour voir. Und die, die es gefehlt haben, gib ihm. Mais la personne qui a cet argent. Auch die Person, die das Geld behält. Seigneur, je te prie pour l'Église. Ich bitte dich für die Gemeinde. Aide-nous en ce fin de temps. Hilf uns am Ende der Zeit. Aide-nous en ce fin de l'année. Hilf uns am Ende des Jahres. De demeurer dans ta présence, dans la prière. Damit wir im Gebet dir näher kommen. Mon souhait, mon désir. Mein Wunsch. Et que tu puisses te révéler dans la prière de tout un chacun. Ist, dass du dich in jedem einzelnen Gebet zeigst. Bénis ton Église. Segne deine Gemeinde. Pour ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui. Die nicht da gewesen sind. Pour des raisons que tu connais.
aus Gründen, die du kennst. Protège-garde-leur. Beschütze sie. Si ils sont devenus lourds par la prière. Wenn sie schwer im Gebet geworden sind. Aide-les, mon Dieu, à s'en sortir. Hilf ihnen, da hinauszukommen. Si ont perdu l'envie de venir dans ta maison. Wenn sie die Lust, weil ihnen die Lust fehlt zu kommen. Aide-les, car l'ignorance de ta maison est très très dangereuse. Hilf ihnen, da l'ignorance in deinem Haus zu kommen ist sehr gefährlich. Ta maison est la maison de restauration. Dein Haus ist ein Haus et la maison de paix et de joie. Frieden und der Freude. Nous voulons rentrer avec toi et retrouver la paix en les hommes. Que ton ange que campe, ce que les craignent campent autour de nous. Je te confie les activités de l'église de la semaine. Ich lasse die Woche von jedem einzelnen von le uns. Mardi, la veille des mamans. Dienstag und das Nachgebet la réunion de la bergerie entre tes mains, que tu sois avec nous. Die Versammlung der Verantwortlichen in deinen Händen, dass du mit uns seist. Voyage, béni, garde-le, ils sont. Die auf Reisen sind, beschütze sie dort, wo sie sind. En paix, damit sie in Frieden heimkehren und dich segnen können. Béni sois-tu, toi qui fais nos combats, tes combats. Gesegnet seist du, der aus unseren Kämpfen seine Kämpfe macht. Je lève et m'oppose. Ich erhebe mich und bin gegen contre tout esprit de mort. Alle Geister des Todes. Dans cette église. In dieser Gemeinde. Car tu as dit, les malheurs ne paraîtra pas deux fois. Denn du hast gesagt, dass schlechte Gefühle zweimal auftauchen. Mort, alle Geister des Todes. Physique. Physisch. Spirituel. Spirituel et financier. Und finanziell. Au nom puissant de Jésus. Im Namen Jesus. Soyez libérés. Seid befreit. Seigneur, fais souffler un vent nouveau dans nos vies. Lass einen Wind in unser Leben. Bénis nos couples et nos projets. Segne unsere Paare, Familien und unsere enfants. Projekte, unsere Kinder. Bénis ces pays d'Allemagne qui nous a reçus. Segne das Land, was uns empfangen hat. Que ce pays soit béni. Dass dieses Land gesegnet sei. Que ce pays aille de l'avant. Und vorankommt. Au nom puissant de Jésus. Im Namen Jesus. Que la paix du Seigneur der Frieden des soit Herrn. Ton partage. Dein Teil sein. Pour toi et pour ta famille. Für dich und deine Familie. Aujourd'hui et à jamais. Heute und für immer. Oui, le bonheur. Freude. Et la grâce. Die Gnade. Accompagneront le jour de ma vie. Jeden Tag meines Lebens sein. Ich werde im Haus des Herrn leben. Bis ans Ende meiner Zeit. Soyez bénis. Seid gesegnet. Amen, amen, amen. Zambalola, 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 Zambalola,
yango etani butu weinda ai kembo na nzambe etondi mokili mokile lingi eyeba wapi kolo na bilembo azane mosika teo azana motema na ngai ofanda lokola mokolo lopango ozokonza ndengo li